Dieu nous a convoqués, Dieu nous a invités pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions les magnifier, pour que nous puissions exalter. Est-ce que Dieu est prêt à être invité ce soir? Mais Dieu est là pour adorer, Dieu est là pour exalter le Seigneur. Nous allons prendre le livre rapidement, nous allons lire. Psaume 146. Je vais lire à partir du premier verset et jusqu'au sixième verset. La Bible nous dit ceci. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. S'il vous plaît, si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on lit la Bible, nous devons accueillir cela. Donc, lorsque le président entre en série, nous allons se mettre debout. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne place pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va et le retour à la terre. Et l'air projeté mais à vapeur. Lui dit le verset 5. Errez celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Le verset 6. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège l'éternellement la vérité. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour exalter le Seigneur. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Mais pourquoi louer le Seigneur bien-aimé? Pourquoi célébrer le Seigneur bien-aimé? L'Éternel bien-aimé? Parce que la Bible nous montre quelque chose de très, très, très important. Si nous lisons le psaume 146 jusqu'au psaume 150, nous allons voir ces cinq derniers psaumes et basés sur la louange. Alléluia. Mais les auteurs de ces psaumes, ce sont des inconnus. Ce n'est pas David qui a écrit ces choses. Mais ce sont des gens qui vivaient, qui restaient dans le temple. Et ils passaient un moment en train d'adorer Dieu. Et ils ont bénéficié de cette grâce de comprendre ce qui s'est passé lorsque Dieu obtient de louer et d'adorer. La Bible nous dit ceci, que je louerai mon Dieu tant que je existais. Je louerai mon Dieu tant que je existais. Donc lorsque Dieu est dans la vie, lorsque Dieu vous fait grâce de respirer, lorsque Dieu vous fait grâce de marcher, mais tout ce que nous pouvons faire, je vous donnerai l'offrande de la louange à Dieu. Parce qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le souffle de Dieu, qui cherchent à avoir la bonne santé, qui cherchent même des assoirs quand nous sommes là, assis de bien-aimés, mais ils sont incapables. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Comme Dieu nous a fait grâce, ce que nous pouvons faire, c'est le célébrer. Le célébrer, c'est le Seigneur. Parce que Dieu, il est capable de tout faire dans notre terre et qui s'en serait aimé. Pourquoi bien aimé adorer Dieu? Je vais parler de cinq choses qui produisent lorsque nous sommes en train d'adorer. Dans quelques minutes, alléluia. La Bible nous dit ceci. Je louerai mon Dieu tant que j'ai existé. Quel est l'impact de la première chose? Quel est l'impact de la louange dans ta vie? Quel est l'impact de la louange dans notre vie? Quel est l'impact de la louange dans notre existence? Lorsque nous nous mettons à louer Dieu, à adorer Dieu, la première chose, la louange fait dans notre vie, elle fait en sorte que notre esprit soit détourné. Lorsque tu es en train de louer Dieu, la louange fait en sorte que ton esprit puisse être détourné de chaque problème, de chaque souci, de chaque difficulté et particulière. Lorsque ton esprit est détourné de ces choses, et lorsque ton esprit voit la grandeur de Dieu, que tu es en train de le louer, tu es en train de l'adorer pour ce qu'il est, Dieu va descendre pour les choses de ton problème. La première chose que la louange fait, il détourne l'autre.
calculer les choses que tu as, ni les fatigues, ni les menaces de nous aider, mais tu verras ces fatigues dans ta vie. Alléluia. La première chose de Pierre Moi, je fais, prenez le pas dans ta vie et détourner les choses, de tout ce qui est comme un problème, de tout ce qui est comme un souci. Et dans cette première chose, lorsque nous rentrons et détourner ces choses, la louange amène l'homme à la perfection. Parce que c'est un moment que tu dois vivre d'intimité avec Dieu. Nous voulons louer Dieu, adorer Dieu. Mais c'est donc, c'est le moment que le Seigneur a permis que nous soyons dans l'intimité avec Dieu. Nous allons louer Dieu, mais je veux que nous soyons dans l'intimité avec Dieu. Que tu es dans l'intimité. Dans le titre
lorsque tu es en train de louer. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes. Bon, quand on dit, et quand on chante, nous sommes même à prier, nous sommes en train de prier des fois. C'est-à-dire, parce que quand tu es dans l'esprit avec Dieu, et tu médites, ce que Dieu veut faire, tu chantes, cela vient au fond de ton cœur, et cela sort dans ta bouche. Tu es là avec Dieu, de ce qu'il est. Sache que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Allez. La quatrième chose qui est la louange, c'est lorsque nous sommes dans cette intimité avec Dieu, dans ce moment individuel avec Dieu, lorsque nous sommes en train d'apprécier ce que Dieu peut faire dans notre vie, nous sommes en train de les considérer. La quatrième chose qui est la louange fait dans notre vie, la louange fait en sorte que tout ce qui est comme un problème, hein, et cela soit dépassé. Allez. Il déplace les problèmes de notre vie. C'est pour ça que lorsque Paul et Silas s'est mis à chanter, à prier, ce qui était problème, emprisonnement, bien aimé, les chaînes qui étaient dans leur vie, les chaînes étaient tombées. La Bible dit qu'il y a un tremblement de la terre. Alléluia. Lorsque tu te mets à louer Dieu et tu fais de cela vraiment un problème individuel, que tu sois en intimité avec Dieu, peu importe le chêne qui te lie, le chêne de la maladie qui te lie, le chêne des problèmes qui te lie, le chêne de l'échec qui te lie, d'humiliation, de la malédiction, de toutes sortes de choses que tu peux avoir dans ta vie. Sache-le bien qu'au moment que nous allons commencer à louer Dieu, à chanter pour la gloire du Seigneur, que quelque chose si merveilleuse va s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. La cinquième chose, pour finir, c'est que la louange est capable de faire. Comme la Bible nous dit, nous ne devons pas placer notre espoir au grand. Alléluia. Parce que la personne peut te promettre. Il dit, je vais te donner ceci. Je ferai ceci dans ta vie. Mais demain, la personne va mourir. La Bible dit, lorsqu'il meurt avec ses projets. Alléluia. Il meurt avec ses projets. Peu importe ce qu'il avait projeté de faire dans ta vie, il sera incapable de les réaliser. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne devons pas se confier aux hommes ni aux grands, parce qu'ils sont incapables de nous sauver. Bien-aimé, personne ne va résoudre ton problème, bien-aimé. Personne ne fera pour que ta situation aille mieux, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Dis, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Alléluia. Donc, personne ne peut faire quoi que ce soit. Il peut avoir des millions, mais il est incapable d'enlever le souci que tu as dans ton cœur. Alléluia. Parce que l'argent ne procure pas le bonheur. Alléluia. Le seul et l'unique personne qui procure le bonheur et la paix dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'on vit dans ce moment d'intimité, sachez-le que le Seigneur descend pour restaurer toutes les choses. Dit, toutes les choses seront restaurées. Mais nous allons louer Dieu et adorer Dieu d'une manière spéciale parce que je sais et je sais ce que le Seigneur va faire et je crois à la grâce de la personne qui va tomber dans cette louange-là. Dieu fera en sorte ce soir que tu deviens un arbre sans succès. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de toute façon? Je louerai mon Dieu tant que j'ai existé. Alléluia. Je louerai mon Dieu toutes les jours de ma vie.
parce que je sais ce que la louange est capable d'aller impacter dans ma vie. Alléluia. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons élever Dieu. Nous voulons adorer Dieu.